Elle est pas sûre. Jusqu'au bon moment. Excusez-moi, on est un bon fichier. Ok. Et ça déjà, la pluie commence ici. Donc, on passe de à 80 bar là. Alors, c'est la fontanière qui va prendre de l'eau. Et donc le robinet est complètement cadenassé et la fontainière remplit un bidon de 20 litres qui coûte 20 areas. Et on va s'approcher de là parce qu'il y a un compteur. Voilà, monsieur, il y a un compteur. Chaque bande fontaine a sa fontainière. Alors ça, ça va être un exemple de cahier à remplir pour la gestion de l'eau. Et la mairie a beaucoup impliqué dans la préparation du cahier des recettes. C'est un moteur qui est fourni par la mairie. Ça c'est pour le fontaine numéro 1. Mmh. Et ça c'est l'indice là. L'indice du compteur. L'indice du compteur. Enfin, il y a après la situation actuelle. La fontaine numéro 3. Ah oui, oui, c'est pas une bonne fontaine. Oui, oui. Donc, vous voyez la différence de consommation là. 8 mètres carrés. 8 mètres cubes. 11, 7. 17. La différence entre pour chaque mois ou. Ah oui, pour chaque mois là. D'accord. Ouais. Donc, Maoli, qui est la fontainière de la bande fontaine numéro 2, a également en charge les latrines qu'elle a surtout décorées pour inciter les gens à venir utiliser ces latrines facilement et avec sans déplaisir. Les latrines sont constituées de deux boxes, comme on appelle. Un box pour les hommes, un box pour les femmes. Quant au nettoyage, il est dévolu à chaque famille qui vient à tour de rôle chaque jour nettoyer les latrines avec sa propre eau qu'il a achetée. Voilà, je crois que c'est l'essentiel. Et on s'est arrangé pour mettre des latrines à chaque borne fontaine, de telle sorte que les gens puissent avoir une hygiène parfaite. Merci Maoli.